Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le retour de l'Alliance Team Battle. On va commencer ça tout de suite. Comme vous l'avez vu, on s'est préparé avec ma petite guilde et on va directement aller faire le combat contre le premier boss. Non, c'est pas contre lui. Ok, donc on commence avec Kizami. Avant de commencer les fights et de voir un peu les dégâts petit à petit. Je vous fais un petit topo de ma team et de ce qu'on a pris. Donc, en speed, level 3, j'ai attaqué des shinobi. Level 4, défense, boost de défense plus 2. Boost pour les persos de type tactical, level 2. Et pour moi, c'est que le premier truc. Il n'y a pas tout le monde qui a fait ses votes. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer. Donc, on a voté, on a tout simplement décidé de voter du plus faible au plus fort. Comme ça nous permet tout simplement d'être bien pour les prochains fights. Donc, on commence avec Kizame, Obito, Sasori, Kakuzu. Conan et ainsi de suite. Là, de toute façon, on verra pour les votes pour les prochains, pour demain. Et là, on va directement commencer. Donc, go sur Kizame. Donc, on a opté pour cette stratégie. Les plus forts, ils ne le font pas, ils le font à la fin, une fois que nous, on aura éliminé Kizame. Donc, ceux qui ont plus de 300 000 de puissance, tout simplement, ils gardent leur stamina, leurs essais pour les prochains boss. Donc, on y go. J'ai quasiment 215 000 de puissance. Si je les augmente tous niveau 60, je pense à 216 000, je pense. J'ai pas monté à fond parce que j'ai pas eu le temps vu que j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. Comment il s'appelle? Kakashi, j'ai pas monté tous les persos niveau 61. Donc pour le moment, on va rester comme ça pour le premier essai. Pour l'essai de demain, je vais essayer de mettre toute la team au clair. Donc toute la team au niveau maximum, donc niveau 61. Maxi au niveau des sorts, maxi au niveau des équipements, etc. Donc on va commencer. Je vous invite vraiment à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on commence. C'est vrai que l'intro était un peu longue, mais ça va, tranquille, à l'aise. En vrai, on va aller à fond dès le début. On va aller à fond dès le début. On va mettre 5, sinon ça sera beaucoup trop long. On va mettre 5, voilà. Allez. On commence avec le 13 au maximum. Et du coup, on va faire ça. En vrai, de vrai, c'est un type quoi? Def. En sachant que j'ai maximisé l'attaque spé de le trips de Itachi et Sasuke. Je devrais faire un minimum, voire plus de dégâts qu'il le faut. Je devrais faire aux alentours de 300K, 400K. Ah non, 250. Il m'en élimine un dès le début. Heureusement, il a éliminé le moins fort. En vrai, on va faire un plus 1 x 3, ouais. Donc, limit break 2 sur Boruto. Balance son attaque Boruto stream. 210 000. Ok, c'est carré. En vrai, je trouve que ma team, elle commence à bien s'orienter pour les persos de type... tactical. Donc dégâts et défense améliorés fois 1,5. On y go. J'ai pas d'attaque spé. Il va balancer son attaque spé, donc son tribs.
Ok. Double attaque spé sur Kisame, donc Sasuke Revenge et Itachi. Ah là là. Je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts pour un type défensif, Kisame. Pour quelqu'un qui a 54 millions de points de vie. Ok. Donc on repart tranquille. On part sur le Tribbs. On va partir sur le Tribbs de. Bah, du coup, le même Tribbs, Sasuke. Et en plus, j'ai encore le Tribbs actif. Non, mais non, j'ai n'importe quoi. En vrai, à contre-type, il m'a à peine mis mid-life. Hein. Je pensais qu'il allait me buter. Donc, il a baissé mon attaque. Je pense que je vais partir sur un stun. Je vais partir sur un stun. Enfin, je vais essayer de le stun. Ouais. Ah non, j'ai pas réussi. Dommage. En vrai, j'aurais dû attaquer avec Kakashi. En vrai, c'est pas grave. Donc, j'ai fait 2 millions de dégâts. En vrai, j'ai fait 2 millions de dégâts. En vrai, c'est pas mal. Donc, on repart sur le deuxième essai. Comme vous l'avez vu, j'ai enlevé plus ou moins 2 millions 600 000. Donc c'est ok, c'est bon, c'est carré. Donc Tribbs actif, on commence directement. Allez, 3, 2, 1. J'ai fait une petite erreur. Bon, tranquille, tranquille. J'ai fait une petite erreur, je voulais activer le Tribbs et j'ai appuyé sur le truc. Du coup, je pense que je vais l'activer avec celui-là. Parce que c'est le plus rentable, je pense. J'ai deux types tech. Dont quasiment tous 5 étoiles à part lui. D'ailleurs, je peux le monter. Je peux le monter 5 étoiles. cent cinquante-quatre mille. Bah là, je vais faire du 40K. Ah non, 80K, ok, c'est pas mal en vrai. 138. Ah, 138 000 pour Kakashi, c'est pas mal. Hein. Et en plus, je baisse sa défense. Il m'a limité. Ok. Ok. Dommage que j'ai pas de stun en vrai. Réellement, c'est vraiment dommage. En fait, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à ma team, les stuns. Il va m'éliminer qui là? Ah, il m'a à peine mid life, donc c'est ok, c'est carré. Ah, ça c'est bon, c'est arrivé au bon moment. Ça va partir sur quasiment du 300K de dégâts au total s'il n'y a pas de coup critique. Si on met un coup critique, je pense que ça va partir sur du 450K, 500K de dégâts. Ok, c'est ouais, c'était bien ça, du 300K.
En vrai, je vais garder l'attaque spé pour le dernier tour. Enfin, le trips pour le dernier tour. K 115, on va pas chercher du 160. Ah non, 200. Ok, 210 de dégâts, 210 k, et on va terminer. Est-ce que ça va vouloir le coup? On va essayer ça en sachant que j'ai du plus ou moins 200 k avec leur attaque combinée, 250 k. L'attaque à 3 de devrait me permettre de faire plus de dégâts avec avec Obito, avec Boruto. Boruto 230 k à lui seul. Ok, on est à 350 k, 600. Ah, c'est 660, c'est pas mal hein. Je crois que j'ai fait plus de dégâts sur le sur celui-là que sur... Ah non, j'ai fait moins de dégâts. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, tranquille, ça fait un bon petit drop. On va terminer avec le dernier. Ok. Bon les gars, on est sur le dernier essai. On va voir combien de dégâts je vais faire à la fin. Là, je suis aux alentours de 4 millions 5. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de Ninja Tribes FR qui est dans la barre de description. De me rejoindre sur mon Discord et de venir me suivre sur Twitter tout simplement. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on commence l'attaque spé des 3. Ça serait, c'est largement plus rentable. Après, ce qui est bien, c'est que. On commence, je commence à chaque fois les fights. Ça, c'est pas mal. Ok, 148 k. Est-ce que je le paralyse? Non, je le paralyse pas, dommage. Ok, il me bute personne, c'est cool. Ok, on est à du 120 k, 130 k. Pour le moment, il m'en a éliminé aucun, donc c'est cool. Je pense que sur ce tour, ça serait bien qu'il me focus Sasuke. Ok, on est à 80 k, 90 k. Donc là, j'ai deux attaques spé. Encore 9 k, 75. Ok, le stun il va pas passer hein. Non, hein, je vais l'utiliser comme ça. Le trip, je vais le garder pour la fin. Cent k, 100. Oh, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Là, c'est un beau tour. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est avec cette team. On arrive à l'avant-dernier tour.
347K. C'est pas mal, hein. Après, c'était un coup critique. C'est pas ça que je vais pas avoir ça tout le temps. Donc, dernier tour, malheureusement. Faut que j'augmente. Je vais bien me préparer pour demain. Faut que j'augmente pas mal de trucs dans la vitalité. Oh, 300K. Ah, c'est pas mal. On a terminé sur du. Sur du 450K, plus ou moins. C'est pas mal, c'est pas mal. On a fait du 2 millions, quasiment du 2 millions là. Donc voilà. C'était le petit retour de l'Alan Sim Battle contre l'Akatsuki. A.k.a. la fameuse team. En vrai, ça serait bien qu'ils nous mettent d'autres persos de l'Akatsuki. Des persos où on voit leur visage. Toby, Obito. Ce serait cool. Donc, on en a où là? Waouh, ça va, ça va. Il lui reste plus que 8 millions. Enfin, 9 millions, c'est carré. C'est cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Venez me suivre sur les réseaux. Ça me ferait énormément plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi combien de puissance vous avez sur le jeu. Et voilà. Sur ce, ciao. Prenez soin de vous. Et à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!